Saviez-vous que certaines baleines vivantes aujourd'hui sont nées avant la rédaction de Moby Dick? Ces géants de mer nous rappellent l'histoire vivante de nos océans. En effet, certaines des baleines boréales qui vivent actuellement dans les eaux glacées de l'Alaska ont plus de 200 ans. Ces cétacés particulièrement remarquables pour leur longévité exceptionnelle peuvent atteindre des âges extraordinaires dépassant parfois les 200 ans. Cette longévité est un témoignage de leur résilience et de l'équilibre délicat de leur environnement. Il est fascinant de constater que ces baleines vivant actuellement dans nos océans sont plus âgées que le célèbre roman Moby Dick d'Herman Melville publié en 1851. Leur existence nous permet de faire un bond dans le passé, nous offrant un aperçu de l'époque où les océans étaient moins exploités. Imaginez une créature qui a vécu bien avant la naissance de Herman Melville lui-même. Ces êtres majestueux portent en eux les traces de plusieurs générations de vie océanique. Les baleines boréales, qui vivent dans les eaux froides de l'Arctique et du Subarctique, nagent dans ces mêmes eaux depuis bien avant la rédaction de Moby Dick. Leur longévité exceptionnelle signifie que certaines de ces baleines étaient déjà vivantes, non seulement avant la rédaction du roman, mais aussi avant la naissance de l'auteur. Leur existence à travers les âges nous offre une perspective unique sur l'histoire naturelle. Alors, est-ce que tu trouves pas ça fou? Dis-le-moi en commentaire.